reflet d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Avant cette réhabilitation, je prends la voie que nous prenons souvent, c'est ici Zobegan, Agadja Zobegan. Je prends son exemple. Si vous quittez Agadja pour Zobegan, vous risquez de faire deux heures et demie de temps avant d'arriver à Zobegan sur un tronçon de 16 km. Parce qu'il y a trop de nids de poules, il y a trop de ravins et c'est difficilement. J'ai un mot à l'endroit du chef de l'État. En commençant par notre maire, ce dynamique homme, ce choix, je dirais, divin que le chef de l'État a eu à faire pour nous dans le Wawa 2. Parce que c'est un homme, je crois, permettez-moi de le dire, qui ne dort pas du tout. Pour le développement de son milieu, c'est quelqu'un qui bouge. Et vous-même, vous le voyez, de par ce qu'il a fait, de ce qu'il continue par faire. Et je voudrais passer par lui pour dire merci au chef de l'État. Merci au chef de l'État parce qu'il a redonné vie encore à notre milieu à travers la réhabilitation de nos voies. So va y dai mi po nko gbe de telefunu ku cho zugbe kope so va do ochona abale ke mi to di fifi a mi po ve totro le moji ze saya mi matim ava akere mi antio e go nibe e mo e do nupo sugbon sa va ya mi pe fu ne dono han mi akoyi konji ga ojia e do na mpo na mi ta e gbe wa mi pe be ma we o pere mi anti mi a vi do le asinye ike batirado kumena mi ape eduploto bubuto abale ike oje nu agomena mi ku mi ape mere ku konseo pe ameko katan le peruntia be emo mi apasi chamo amuse ochona alofie ko abale ke mi va pale ke mo va sofie mi di vevebe mo ne somme ado agbokope plateau nami mo ne somme ne do commune be sieja ike ni gbadin kunya et ma la demia djibe mia temu apo asichacha be nya ogbon nyere dans la globalité l'impact est positif puisque l'aménagement de ces pistes rurales a entraîné le désenclavement de plusieurs localités et ça a entraîné la fluidité. Et donc, cet aménagement a impacté la société, surtout sur le plan social et sur le plan économique. Et sur le plan social, je peux parler des allers-retours de la population, notamment lorsqu'il s'agit des soucis de santé. Avant, pour évacuer la population de la zone, de la commune, pour les centres de santé, par exemple à Badou, c'était de la croix et de la bannière. Mais avec l'aménagement, nous voyons que la situation s'est améliorée. Nous prenons également les cas d'accidents qui étaient vraiment récurrents sur la voie parce que partout, il n'y avait que
des trous, de la boue en saison pluvieuse. Je vois que cette situation également s'est améliorée. Ici à Gbadinkunya, par exemple, ou bien dans notre zone de Wawa ici, le temps, c'est les deux extrémités on a. Ce qui fait que malgré l'aménagement de ces pistes, il y a en ce moment la poussière qui nous dérange sur les voies-là. Et bientôt, la saison pluvieuse va commencer aussi. Et les boues aussi sont très glissantes. Et c'est des difficultés que nous aurons à avoir. Donc on souhaiterait par exemple que ces pistes peuvent être transformées en bitume pour nous. Ce serait la doléance que nous pourrons avoir également à l'endroit de nos autorités. Nous sommes dans la commune de Wawa 2, et plus précisément à Gbadinkunya, le chef-lieu de la commune. Et comme vous pouvez le constater, nous pouvons nous permettre de dire que la commune est dans sa totalité en chantier. Par le passé, l'accès à notre commune est pratiquement difficile, dû au fait que les voies ou les pistes rurales sont en très mauvaise qualité. L'état des routes était tel que l'accès était très 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 difficile. Mais avec les 4 années d'expérience du processus de décentralisation, nous pouvons nous gloser de dire que nous ne sommes plus dans une localité enclavée. Le processus de décentralisation a boosté le désenclavement de la commune. Et aujourd'hui, avec le réaménagement des pistes rurales, il y a beaucoup d'impact sur le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'économie. Tout a changé.